tomber nez à nez avec le trésor de Vez, c'est une véritable enquête qui s'offre à vous. Ce trésor est un ensemble d'objets précieux retrouvés sous le sol d'une maison, fouillée dans les années 90 à Vez. Il a été retrouvé en deux parties. La première contenait trois statuettes de divinités, un petit buste masculin, peut-être un empereur, et deux bracelets d'argent. Dans la seconde se trouvaient trois plats d'argent, un lot de 14 cuillères et 81 pièces d'argent, ainsi que des bijoux en or et émeraude brute. Ce trésor a été trouvé lors de fouilles préventives et pose encore de nombreuses questions. Quelle est l'origine des objets du trésor de Vez? Qui les a enterrés et pourquoi? Étudions les indices. Ces quelques bijoux de petite taille nous font penser à des bijoux féminins, à la mode dans les classes aisées de la Gaule du IIIe siècle. Est-ce le propriétaire de la maison qui a voulu mettre en sécurité ces biens précieux? Ou bien un voleur qui les aurait dérobés puis cachés? Et les 81 pièces d'argent? Elles représentent à peine 2 mois de solde d'un légionnaire à l'époque. En plus, elles ont été spécialement frappées pour être distribuées aux soldats et ont donc très peu servi. Le propriétaire était peut-être un soldat ou bien un collectionneur qui gardait les pièces à l'effigie de ses empereurs préférés. Vous avez envie de percer tous les secrets du trésor de Vez? Rendez-vous au musée gallo-romain de Lyon pour en découvrir toutes les richesses.